Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et bonne année déjà pour commencer. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous remettez comme vous pouvez de cette soirée quoi. En tout cas pour ma part, ça va tranquille. Donc voilà, petite vidéo audio, enfin voilà, juste un point audio pour vous dire que je suis toujours là quoi, quand même, que je vous lâche pas. Et donc voilà, pour vous parler de différentes nouveautés qui vont vous attendre pour 2014. Bon déjà, pour ce qui en est de la reprise de mes vidéos, comme je l'ai précisé sur ma page Facebook, je vais recevoir enfin mon HDMI recorder voilà, Amazon m'a donné une fourchette je devrais le recevoir entre le 6 et le 16 janvier. Enfin, moi j'appelle pas ça une fourchette, mais j'appelle plutôt ça un râteau, quoi. Mais bon, tant pis. Ensuite, voilà, parce que tous les câbles, tout ce qui est pour relier, etc., l'alimentation, les câbles, etc., j'ai, voilà, il me manque que le petit boîtier. Dommage que tout ne se commande pas en une seule fois. Voilà, et un nouveau micro, donc voilà, je sais pas si vous entendez la différence, je vous parle en ce moment même avec celui-ci. C'est un petit micro, enfin pas très très cher, mais bon voilà, avec, on m'a garanti voilà, une limite sur la saturation qui fait obstruction de tout ce qui est son externe, enfin voilà, donc c'est toujours mieux de vous parler avec le micro interne de mon ordinateur qui puisait, quand il surchauffe, on entend toujours des vous derrière, assez bizarre. Donc voilà, j'espère que la différence va s'entendre au cours de mes vidéos. Là vous voyez ce qu'il en est, beaucoup plus clair, enfin du moins je l'espère, j'ai fait déjà 2-3 tests. Enfin voilà, tout ça pour vous dire que je reviens en début d'année, que je vous oublie pas, voilà, on va reprendre avec les vidéos test de... alors il y aura du Killzone Shadowfall, du Battlefield 4, du Call of Duty, bon en online bien sûr comme d'habitude, il y a FIF qui va sortir fin février, le 28 février. Donc voilà, tout ça sur PS4, donc voilà, c'était pour vous dire quand même, voilà, avec ce mois de fête, etc., non, voilà, je ne vous oublie pas, je suis toujours là, et puis ça me fait bien chier, hein, franchement, je vais pas vous le cacher, hein. À la base, vous savez que, enfin, je sais que pour la plupart d'entre vous me le dites, voilà, vous regardez mes vidéos pour vous faire un avis sur les jeux, etc. Et là, qu'est-ce qu'il y a comme connerie? Voilà, la console sort et je peux même pas vous présenter la totalité des jeux que j'achète pour vous. Enfin, pour moi, bien sûr, mais bon, après pour vous, à titre purement informatif, quoi. Voilà, c'est un petit peu chiant pour moi. Voilà, je m'en excuse encore. Bon, après, on va dire que le point légèrement positif qui s'offre à moi dans cette histoire, c'est que voilà, les play, c'est en rupture de stock, donc pour la plupart d'entre vous, je sais que malheureusement vous n'avez pas pu en avoir une, donc on va dire que ça joue un peu à ma faveur, comme ça au moins vous n'allez pas vous dire tiens je vais acheter ce jeu, mais j'ai pas eu beaucoup d'avis, j'ai pas regardé la petite vidéo d'X-Rouge pour me faire un point de vue. Bon, je sais que vous regardez pas que mes vidéos, et heureusement, j'ai envie de vous dire, parce que enfin, comme je vous le dis toujours, j'ai l'habitude de parler des vidéos avec un point de vue général, tout en donnant mon point de vue par-dessus pour vous donner divers avis de jeux. Voilà, je dis pas qu'un jeu c'est de la merde. Pour moi, aucun jeu n'est vraiment une merde. Vous savez très bien que voilà, il y a des jeux que j'aime et des jeux que j'aime moins, et ça m'empêche pas quand même de présenter des jeux que je n'aime pas forcément. Et pourtant, voilà, dans ma vidéo, je garde un avis très neutre pour ne pas ranger des personnes de mon côté, quoi. Voilà, chacun est là pour faire son propre avis sur la chose. Ma vidéo n'est que purement mise en ligne pour que vous fassiez votre propre avis sur la question, quoi. Donc voilà, le fait qu'il y ait cette rupture va un petit peu jouer à ma faveur, parce que voilà, tant qu'une PS4 ne sort pas, vous n'allez pas acheter de jeu, à moins que vous soyez un peu maso sur les bords. Acheter un jeu sans avoir la console, c'est plus pour se faire du mal au cœur qu'autre chose, de regarder le boîtier sans avoir la console qui va avec. Donc enfin bref, je rigole, mais bon, oui, j'avoue, j'ai fait ça, il me semblait, je crois que j'ai pris un jeu de Play 4 avant d'avoir la Play, juste un jour avant, manière de prendre de l'avance.
Il me semble, je crois que c'était Call of, ouais. Oui. enfin bon. Sachez que, voilà, franchement, pour tout ce qui est de la Play 4, je vous en parlais vite fait, par exemple. Enfin, je rappelle que voilà, hein, ce point audio est pour un petit peu vous remettre à jour de tout ce que je fais, etc. C'est un petit point informatif. Voilà, la Play 4, vous allez voir que vous allez avoir un gros gain de temps. De toute façon, une fois que j'aurai mon HDMI recorder, je vais faire pas un tuto, mais au moins une présentation du menu, voir les avantages que vous avez, les différences qu'il y avait avec l'ancienne console de Sony, la PlayStation 3. Les jeux que maintenant vous aurez, les jeux gratuits par mois. Pour l'instant, on a eu deux jeux gratuits. Il s'agissait de Resogun, un jeu que je n'ai pas téléchargé, mais bon, voilà, on va dire que c'est un petit peu un Blast Factor-like, quoi. Enfin, un bon jeu, comment dire, un shoot'em up, quoi, avec un petit vaisseau. Voilà, quand je dis Blast Factor-like, c'est parce qu'on avait eu ce fameux jeu à la sortie de la PlayStation 3. Et puis Contrast, qui est super d'ailleurs, je compte faire même une vidéo dessus. Franchement, pour un jeu PSN, c'est vraiment excellent. Moi, c'est mon coup de cœur 2013 pour la console. Franchement, il surpasse de loin les jeux que j'ai pu acheter. Vous savez que pour l'instant, j'ai 6 jeux actuellement sur PS4. Mais franchement, Contrast, il m'a vraiment bluffé, quoi. Enfin, un nouveau monde. Enfin, Contrast, pour vous la faire, pour vous faire court, c'est voilà, on dirige une personne imaginaire qui peut rentrer dans les murs et qui se transforme en ombre, en fait. Donc, on va se servir par exemple de projecteur pour éclairer quelqu'un. Son ombre va apparaître sur le mur, on va se transformer en ombre. Et si à un moment il tend le bras, eh bien on va pouvoir aller sur son bras pour s'élever en l'air. Et puis voilà, si par exemple il y a un balcon sur ce mur, on redevient normal au niveau du balcon. Et eh bien voilà, en gros, on s'est téléporté sur le balcon parce que voilà, sous forme d'ombre, quelqu'un extérieur nous a fait grimper sur ce mur. Enfin voilà, c'est super sympa. Faut le voir quand même, c'est vachement bien. Je ferai un test dessus, vous inquiétez pas. Voilà, tout simplement parce que j'ai arrêté avec. Vous allez me dire, oui, j'ai déjà fait deux vidéos sur enfin, Assassin's Creed Black Flag, mais bon, voilà, le rendu est vraiment dégueulasse, je m'en excuse encore. Bon, moi, je trouve vraiment que c'est horrible. Lego Marvel, non, ça s'est plutôt bien tiré, mais bon, la qualité micro était dégueulasse. Maintenant, j'ai celui-là. Alors, on espérera que bientôt, eh bien, il y aura. Enfin, la qualité sonore sera bien meilleure. Je parlais de tous les tests, il me semble que j'ai oublié de vous citer FIFA. Bon, je réinviterai 2-3 potes pour qu'on se fasse une bonne partie délire comme d'habitude. Donc voilà, je passais du coup par la touche share de la console. Je le publiais sur Twitch et je faisais Fraps sur Twitch. Donc vous voyez par où je devais passer pour essayer de vous transmettre un gameplay de qualité. Et encore, voilà, Fraps. Des fois il y a des lags, Twitch qui lag en plus de Fraps, c'est horrible, j'ai envie de vous dire, c'est dégueulasse. Donc voilà, tout ça pour vous dire que il me tarde franchement d'avoir tout ça pour vraiment reprendre du service, parce que là, voilà, je me lasse de. Enfin, je me lasse de cette situation, quoi. Ça m'énerve, enfin, ça m'énerve, ça me dégoûte plus qu'autre chose. Voilà, je suis là, je glande que dalle, quoi, au niveau des vidéos, donc. Voilà, c'est un peu dommage. Enfin, je reprends cet exemple parce que j'avais pris un petit peu congé de vous pour les vidéos en novembre. J'ai pris quoi, même pas 3 semaines à ne pas faire de vidéos. Et même si pendant ces 3 semaines j'avais continué pour prendre de l'avance à faire le playthrough de Crash Bandicoot, mais limite, voilà, ça me manquait de poster pendant ces 3 semaines. Limite, enfin, voilà, je suis devenu accro à vous. Vous vous rendez compte de ce que vous me faites subir? Non, je déconne, mais heureusement même. Hein. Franchement, tant mieux, c'est par passion que je fais ça et. C'est pour vous, entre autres, mais c'est surtout pour ma propre passion, et c'est pour ça que je m'arrête toujours pas. Hein. Franchement, qui sait, enfin. Ça fait 3 ans que je fais de la vidéo test, ça fait 2 ans que je publie. Donc, oui, il y a eu 1 an où est-ce que j'ai fait des vidéos, mais qui n'ont jamais été postées. Et non, inutile de les chercher, hein, comme je vous dis, je les ai jamais postées, c'était vraiment horrible à voir. donc, enfin, bon. Tout ça pour vous dire que voilà, je reste ici, je reviens très vite du coup là allez, en espérant que dans une semaine, allez, maximum, je puisse vraiment tout récupérer. Et là, bim, je me relance dans les tests. Ça me manque un peu.
Enfin bref, tout ça pour vous. Voilà, je vous tiens au courant. C'est la petite info du jour, voilà, pour vous dire comment vous portez. Est-ce que vos fêtes se sont bien passées, etc. Répondez-moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Vous savez que j'ai toujours répondu à tous les commentaires. Moi, ça me fait bien plaisir d'avoir une interaction avec mes visionneurs. Et c'est tant mieux, quoi. Voilà. Et bien, du coup, sur ce, je pense avoir à peu près tout dit. Joyeux Noël, vu que j'ai pas non plus aussi fait de vidéo pour la Noël. Et oui, malheureusement, hein, du coup, voilà, j'ai complètement lâché ma Play 3, donc du coup, je pouvais même plus enregistrer. Mais d'ailleurs, enfin, je vois même pas pourquoi j'aurais pu enregistrer vu qu'il me manque des trucs. Voilà, joyeux Noël à tous, bonne année encore. Et sur ce, donc, eh bien, on se retrouve très vite parce que vous me manquez gravement. Enfin bon. Portez-vous bien tout le monde et je vous dis à très très bientôt. Bisous bisous, ciao!